Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Orthodoxie avec le recteur, le père Ménas de la paroisse orthodoxe de Martinique. Bonjour mon père, comment allez-vous? Très bien, avec la grâce de Dieu. D'accord. Dans notre dernière émission, nous avons parlé de l'appel au don. Et ça, aujourd'hui, nous parlerons de la communion eucharistique. C'est ça. Alors, tout chrétien, est-ce qu'il peut communier lors de vos messes? Alors, nous, dans l'Église orthodoxe, lors de la messe que nous appelons divine liturgie, ne peut que communier qu'un chrétien orthodoxe, que communier dans une Église orthodoxe. On appelle ça une condition dogmatique ecclésiale. Laissez-moi vous expliquer. Il est nécessaire d'être membre de l'Église orthodoxe pour pouvoir y communier. D'accord. Quelqu'un qui n'a pas reçu de baptême orthodoxe, qui n'est pas orthodoxe, ne peut pas communier. Dans l'Église catholique, on appelle les orthodoxes peuvent communier à l'Église catholique. Parfois même des protestants peuvent venir à l'Église catholique et communier s'ils ont reçu l'autorisation du prêtre, du curé ou de l'évêque. Mais dans l'Église orthodoxe, on ne peut pas séparer le Christ avec son corps qui est l'Église. Celui qui communie au Christ communie donc à l'Église, c'est-à-dire qu'elle accepte, qu'elle est en union avec sa profession de foi et ses mystères, sa spiritualité. Nous, nous vénérons les icônes. Un protestant vous dira que c'est de l'idolâtrie. Nous, nous croyons que Marie est demeurée vierge. Un protestant vous dira qu'il n'est pas demeuré vierge. Donc le protestant va professer une foi hétérodoxe, une foi qui est contraire à la foi orthodoxe. En ce moment-là, on ne peut pas lui donner la communion. Donc celui qui reconnaît que l'Église orthodoxe, c'est l'Église apostolique, elle est l'Église catholique, en ce moment-là, elle peut communier à notre messe. Mais celui qui professe l'hérésie, qui dit des choses contraires à la foi orthodoxe, ne peut pas communier à l'Église orthodoxe. Je vous donne un exemple. Nous, pendant la messe, pendant la liturgie, vers la fin, quand le prêtre a consacré le pain et le vin qui sont devenus le corps et le sang du Christ, l'assemblée récite la prière de Saint Jean Chrysostome. Cette prière, elle dit ceci: « Je crois et je confesse que ceci même est ton corps, ceci même est ton sang ». Donc c'est une profession de foi de l'assemblée qui reconnaît la présence réelle de Jésus dans le sacrement de l'autel, donc le pain et le vin, qui deviennent le corps et son sang. Par contre, un protestant dira « Ce n'est que du symbole, ce n'est pas la présence réelle ». Pour le protestant, c'est symbolique. Donc, puisqu'il ne professe pas cette foi, comment voulez-vous que le protestant puisse communier à nos messes? C'est pourquoi, dans l'Église orthodoxe, ne communiquent que les orthodoxes. D'accord. Très, très, très clair. Alors, dans une Église où il y a beaucoup de fidèles, comment pouvez-vous savoir que ce chrétien qui se tient devant vous, il est orthodoxe ou protestant ou d'une autre contrée, j'ai envie de dire? Oui, c'est comme on voit dans des églises, il y a beaucoup de foules, par exemple, les gens vont se lever, ils vont avancer, le corps du Christ, et automatiquement, on donne la communion. Bon, l'avantage des églises orthodoxes, d'abord, elles sont petites, dans des pays de mission, tout le monde se connaît. Et donc, normalement, le prêtre connaît qui est orthodoxe dans son assemblée. Moi, j'ai déjà vu une dame venir se lever, s'approcher, et je lui ai demandé, vous êtes de quelle église? Elle me dit, je suis de l'église orthodoxe. Je ne lui ai pas donné la communion. Je l'ai béni avec le sacrement, le corps et le sang du Christ que je tenais à la main. Je l'ai béni, mais je ne lui ai pas donné la communion parce que je ne sais pas de quelle église orthodoxe est-elle. Et après vérification, ce n'était pas une vraie église orthodoxe. Donc vous voyez que le prêtre est prudent. Normalement, le prêtre doit connaître ses fidèles. Mais un chrétien qui va dans une église orthodoxe pour aller communier doit se présenter à l'avance chez le prêtre. Aller se présenter chez le prêtre. C'est le prêtre qui a reçu le pouvoir de lier et de délier. C'est lui qui écoute les confessions. C'est lui qui connaît les brebis. C'est lui qui donne la pénitence. C'est lui qui donne les conditions pour communier. Mais moi, mes fidèles, s'ils vont dans une autre église orthodoxe, ils doivent au préalable se présenter à ce prêtre, soit la veille ou une heure, deux heures avant, pour qu'ils voient l'état d'esprit, l'état spirituel de ce chrétien avant de lui donner la communion. Donc dans l'église orthodoxe, on ne se lève pas comme ça automatiquement si on ne s'est pas présenté chez le prêtre. Je donne un exemple, je suis allé en Grèce, là ce sont des pays orthodoxes. Il y avait une église, il y avait plus de 400 fidèles. Mais pour communier, il fallait qu'il y ait un témoin. Il y a un monsieur qui était un témoin, qui est allé dire au prêtre, ce garçon, c'est un chrétien orthodoxe, il va au Mont Athos en formation. Je le connais, c'est moi qui suis allé le prendre à l'aéroport, il est le fils spirituel du père Théologos. En ce moment-là, le prêtre, même si on ne se connaissait pas, mais il y a un témoin, une personne qui témoigne. En ce moment-là, la communion m'avait été donnée. Et cette dame, si vous lui avez donné la communion, puisque vous ne la connaissiez pas, vous auriez pu avoir un doute et puis vous dire, mais peut-être qu'elle dit vrai, je lui donne la communion. Est-ce que vous auriez fait une faute? Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là? Normalement, le prêtre ne devrait pas faire ce genre d'erreur de faire les choses par sentiment. Je connais beaucoup de prêtres, même dans mon pays, je voyais des prêtres orthodoxes qui donnaient la communion à des inconnus.
Et à la fin, on se rendait compte que c'était des protestants. Et c'est le prêtre diable, zut. Bon, moi, je ne ferai pas cette erreur. J'ai reçu une formation, j'essaie de respecter, je dois d'abord connaître la personne qui vient communier. Maintenant, si vous donnez la communion à une personne, comme vous dites, comme font ces prêtres, ils donnent. En ce moment-là, si la personne n'était pas dans un état spirituel pour communier, il reçoit du pain vide. D'accord. Donc cette communion n'a pas d'effet sur cette personne. D'accord. Il reçoit du pain vide, le Christ n'y est plus. Et quelle a été la réaction de la dame quand vous avez refusé de lui donner le pain? Elle était un peu légèrement frustrée, mais je lui ai dit non, le Christ ne te rejette pas. Je l'ai tenu, je l'ai tiré vers moi. J'ai dit le Christ ne te rejette pas. Le Christ ne te rejette pas, il te bénit. Il te bénit d'une autre manière. On peut faire une communion spirituelle, même si vous n'avez pas communié corporellement, mais le Christ ne te rejette pas. Et je lui ai donné la bénédiction. Et deux, trois mois après, quand je l'ai remise dans la vraie doctrine orthodoxe, quand elle a reçu pour la première fois l'Eucharistie, elle s'est mise à pleurer. D'accord, donc ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé, oui. Vous avez dit lors d'une émission ici même que la communion eucharistique peut rendre malade. Est-ce que vous pouvez expliquer cette réalité? Bon, en fait, ce n'est pas en tant que telle la communion eucharistique qui rendrait les gens malades. Ce sont les personnes elles-mêmes qui se sont rendues dans un état de péché en communiant indignement. Okay. On ne s'approche pas de la table du Seigneur sans une certaine préparation. L'Eucharistie, c'est le plus beau trésor que le Christ a donné à son Église. C'est sa présence réelle. C'est le plus beau trésor. Et on veut que les fidèles qui s'approchent, s'en approchent dignement. Il est vrai qu'on ne sera jamais digne. Comme on dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. On n'en sera jamais digne. Mais il faut essayer de s'approcher de cette certaine dignité. Il y a des péchés qui peuvent empêcher la communion eucharistique. Malheureusement, il y a des personnes qui communient par témérité, qui communient en état de péché mortel. En ce moment-là, saint Paul dit que celui qui ne discerne pas le corps du Seigneur communie à sa propre condamnation. Il rajoute, c'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées malades. Donc les maladies qui sont liées, ce sont des maladies spirituelles. Les personnes sont tombées sur leur propre anathème, sur leur propre malédiction. Ce n'est pas la communion qui les aurait châtiées, mais leur état spirituel. C'est cet état qui fait que les personnes tombent malades. Ils sont tombés sur leur propre anathème. Je vais vous donner deux exemples. Ici en Martinique, j'ai reçu une dame, ça faisait 20 ans qu'elle souffrait. Elle était plutôt malade, elle entendait des cris, voyait des choses dans son corps. Elle est venue me trouver avec deux de ses enfants. J'ai regardé cette dame et je lui ai dit, mais madame, ça fait 20 ans que vous ne vous confessez pas. Il y a 20 ans de cela, vous avez perdu un enfant. Elle me dit, oui, quand j'avais perdu cet enfant, j'avais dit que Dieu n'est pas bon, ainsi de suite. Et donc, j'avais cessé d'aller voir le prêtre pour me confesser. J'ai dit, mais entre-temps, vous communiez, madame. Elle dit, oui, je communie. Je dis, mais il y a telle année, vous avez commis tel péché. Son mari avait fait avorter une femme. Et elle a participé à cet avortement. Mais l'avortement est un péché grave et même mortel. Alors vous communiez en état de péché mortel, à cause de cela, vous ne pouvez pas être guéri de votre maladie. Il faut aller faire une confession, une pénitence. Et à l'époque, je l'ai envoyé chez le prêtre catholique de sa paroisse, qui l'a confessé, elle est revenue me voir, elle était guérie. Je vous donne un deuxième exemple. J'ai reçu un monsieur qui est venu me voir, il était très malade. J'ai dit à ce monsieur, mais monsieur, vous avez l'habitude de donner la communion eucharistique. Vous êtes ministre de la communion comme les catholiques ont des ministres de la communion. Nous, dans l'église orthodoxe, jamais un laïc ne peut donner la communion. Seule la main du prêtre tient le corps de notre Seigneur. Le monsieur me dit, oui, je donnais la communion. J'ai dit, mais un jour, vous avez la communion dans votre voiture et vous avez mis de la musique profane. Vous n'étiez pas recueilli et recueilleur. Et d'ailleurs, il y avait une femme à côté de vous à qui vous étiez en train de faire une petite drague. Ah oui, mais oui, tout ça. J'ai dit, mais oui, mais vous avez la présence réelle du Christ dans votre voiture. Vous n'êtes pas recueilli ni recueillant. Le Seigneur n'était pas content. C'est pourquoi vous êtes malade. Il faudrait que vous allez vous confesser chez le prêtre de votre paroisse. Comment vous avez su ça? Bien, parce que j'ai un don de discernement. Il m'arrive de lire les péchés des gens, qu'on appelle c'est un don, même Padre Pio avait ce don, un prêtre catholique. Il y a beaucoup de prêtres orthodoxes, des saints, qui ont ce don-là, de pouvoir lire les âmes. Le Seigneur me l'a donné pour pouvoir convertir les gens. C'est pas un don qui est venu de ma propre sainteté. C'est un don que Dieu m'a donné pour le besoin de mon ministère. Parce D'accord. que surtout qu'en Martinique, les gens aiment beaucoup mentir. Donc le Seigneur m'a permis d'avoir ce don pour pouvoir lire les cœurs. Donc quand quelqu'un arrive, je lis facilement ses péchés. Et alors donc ce monsieur n'a pas voulu se confesser. Et puis finalement il est allé mourir. Donc c'est pourquoi les personnes qui communient indignement attirent sur eux ou sur elles la malédiction. Vous avez dit tout à l'heure, Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir. La suite c'est... Mais dis seulement une parole. Je serai guéri ou je serai béni? Je serai guéri. Guéri. Voilà, d'accord. Je serai guéri.
Très bien. C'est la prière du centurion que l'Église orthodoxe et que l'Église catholique emploie c'est avant ça. La communion. Seigneur, je ne suis pas digne. Quand je disais, l'homme ne sera jamais digne de l'Eucharistie. Mais il doit essayer de s'approprier l'Eucharistie par des efforts ascétiques. Donc on ne va pas communier tout simplement parce qu'on se lève, on va communier. Ça fait bien quoi. Oui. Ça fait par exemple, je vais vous raconter une petite histoire encore. Quand j'étais catholique, je donnais souvent la communion puisque j'étais au grand séminaire. Et un jour, ma mère est venue très en retard à la messe. Elle s'est approchée, elle a voulu communier de mes mains. Et je lui ai dit, non maman, je ne te donne pas la communion. Elle était légèrement frustrée. Et quand ma maman est morte, quand le Seigneur l'a rappelée, une fois je priais pour son âme, et ma maman, depuis le ciel, m'a dit, mon fils, tu te rappelles le jour où tu m'avais refusé la communion, tu ne m'as fait que du bien. Ici, dans le ciel, j'ai vu un coin où des personnes souffrent parce qu'ils avaient très mal communié. Toutes les communions sacrilèges, j'ai vu des personnes ici, qu'on envoie dans ce lieu, des personnes qui commettaient des communions sacrilèges. Et toi, tu m'en as préservé. Et elle m'a dit merci. Bien. Est-ce qu'il y a des péchés qui peuvent empêcher un fidèle de communier ? Oui. Ou tous les péchés doivent empêcher la communion ? Il y a des péchés selon la gravité. Selon la gravité, parce qu'il y a des péchés qu'on appelle véniels, par exemple, je peux me mettre un petit peu en colère, je me fâche contre l'autre, mais après je me réconcilie, la colère ça peut être une réaction naturelle face à une injustice. Mais des péchés comme par exemple l'avortement, quelqu'un qui a commis l'avortement ne peut pas communier. Et on ne donne pas, le prêtre ne donne pas une absolution directe. Moi, si quelqu'un me dit que j'ai commis un avortement, je vais regarder d'abord les circonstances. Et si les circonstances sont très graves, en ce moment-là, je peux dire à la personne de ne pas communier pendant une année et d'aller faire pénitence. Je lui remettrai des prières. Les personnes qui commettent l'adultère, quand on est dans un état de péché d'adultère, on ne peut pas communier. Il faut empêcher ces gens-là de pouvoir communier. Je ne parle pas des personnes qui vivent en couple, mais qui ne sont pas mariées. Il y aura une thérapie pour ces personnes-là. C'est vrai qu'ils ne sont pas mariés. De temps en temps, je pourrais autoriser la communion à la personne qui s'approche plus de Dieu. Moi, j'ai des fidèles orthodoxes qui ont des maris, qui ne sont pas orthodoxes et qui ne sont pas encore mariés. Je vais les préparer pendant une certaine période de l'année par des jeûnes, par des pénitences, à pouvoir communier, mais ça ne doit pas se faire régulièrement. Donc le prêtre doit toujours s'adapter au cas par cas. Mais sinon, il y a des péchés comme ça qui sont graves, pour lesquels le prêtre doit donner une pénitence, qu'on appelle dans le jargon orthodoxe, on appelle ça l'épitimie. Ce n'est pas une punition, ce sont des exercices spirituels pour permettre à la personne de pouvoir s'approcher de Dieu. Si la personne ne peut pas s'approcher de Dieu au moyen de la communion eucharistique, elle peut s'y approcher au moyen de la cèse. Parce que dans la vie, on n'est pas que sauvé que par l'Eucharistie. Il ne faut pas réduire toute l'économie sacramentelle, toute l'économie sotériologique à la simple réception de l'Eucharistie. Dieu a d'autres voies mystérieuses pour pouvoir sauver les hommes. Et parmi ces voies mystérieuses, il y a la cèse, il y a la prière. Donc les personnes ne sont pas excommuniées de l'Église. Elles ne sont pas rejetées de l'Église. Mais on leur refuse la communion et on leur donne d'autres exercices spirituels par lesquels ils peuvent s'élever. Et c'est pourquoi le prêtre donne une épitimie qui peut durer pendant un mois. Dernièrement, dans ma paroisse, j'ai donné une sanction à tous mes fidèles parce qu'ils se disputaient un petit peu entre eux. Et je leur ai dit, vous avez 2 semaines, vous ne communiez pas tant qu'il n'y a pas une vraie réconciliation. Donc il y a des moments, on peut refuser la communion à une personne en état de péché. On lui donne une épitimie qui peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, parfois même 1 année, 6 mois, 3 mois. Et lors de l'épitimie, la personne va faire certain nombre de prières pour pouvoir se purifier. Alors nous ne faisons pas comme dans certaines églises, quelqu'un par exemple confesse un péché comme celui de l'avortement, aussitôt le prêtre lui dit, va faire 3, je vous salue Marie. Nous on n'aime pas ça, pourquoi ? Parce qu'on ne permet pas à la personne de vraiment faire pénitence. C'est un peu trop facile de donner un pardon immédiat. Mais en même temps, il ne faut pas donner une pénitence très rigoureuse aussi. Parce que n'oublions pas que le Seigneur accueille le pécheur. Il ne condamne pas le pécheur, mais il condamne le péché. Le pécheur est toujours accueilli. Donc il y a une dimension juste, mais il y a aussi une dimension de miséricorde. Donc le prêtre devra toujours trouver le juste équilibre lorsqu'il en face à un pénitent. Mais il est vrai qu'il y a des péchés qui empêchent une personne de pouvoir communier. Mon père, prenons le cas d'une femme qui se fait violer, donc elle est enceinte, et elle ne veut surtout pas garder cet enfant parce qu'elle est enceinte parce qu'elle a subi un viol. Donc elle se fait avorter. Quelle est votre position par rapport à ça? Allez-vous lui refuser la communion si elle vient vers vous? Oui, je vais lui refuser la communion. C'est quand même dramatique. On a connu cela dans notre pays, en Afrique, avec les guerres. Nous avons connu des personnes qui avaient été violées et qui sont tombées enceintes. Ce sont des situations dramatiques. La personne n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Mais
la personne ne doit pas regarder l'acte en lui-même, mais doit regarder la vie qui habite en elle. Ce n'est pas l'acte que nous acceptons, l'acte est condamné. Mais ce que nous voulons se regarder ici, c'est la vie. Donc s'il y a avortement, cette personne devra faire pénitence. C'est dramatique, mais c'est ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex, comme disent les latins. Quand vous dites la loi de... Que ce soit la loi de l'Église. Il y a parfois des choses... Par exemple, je vous donne un exemple. Dans l'Église orthodoxe, si un prêtre fait un accident de voiture et que la personne qui est en face vient à mourir, ce prêtre ne peut plus célébrer la messe, l'Eucharistie. Pourtant, ce n'est pas de sa faute, c'est un accident. Mm-hmm. Donc la loi est dure, c'est la loi. Oui, elle est vraiment dure. Là. Oui. D'accord. Ici, lors d'une émission, vous avez dit que les personnes qui sont ennemies ne peuvent pas communier. Pouvez-vous mieux nous développer cette assertion ? Les personnes qui sont ennemies ne peuvent pas communier. Je me rappelle que vous m'avez dit aussi, deux personnes qui ne sont pas bien, le Seigneur ne peut pas rester au milieu de deux personnes qui sont ennemies. Voilà, parce que seul celui qui est réconcilié avec son frère, au moins dans son cœur, peut communier. C'est le Christ lui-même qui le demande que lorsque ton frère a commis un péché, va d'abord le voir. C'est Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Il parle ici de la correction fraternelle. Si quelqu'un vous a fait du mal dans une église, on va le voir, on lui explique le mal. Mon frère, tu m'as fait ceci, je n'ai pas aimé. Peut-être que l'autre aura des raisons aussi à donner. Et à la fin, on fait un saint baiser, on s'embrasse, on se demande pardon. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, quand on fait la prière du soir, le prêtre se tourne vers les fidèles et demande pardon. Frères et sœurs, pardonnez-moi. Et les fidèles répondent au prêtre, Père Saint, nous te pardonnons. Et lui dit que Dieu vous pardonne. Pendant la liturgie, le prêtre demande pardon deux fois, avant la messe, avant d'entrer dans le sanctuaire et pendant l'hymne des chérubins. Trois fois. Le prêtre se retourne et dit, pardonnez-moi, frères et sœurs. Et avant la communion, il demande encore une fois de plus le pardon. Parce que le prêtre aussi peut faire du mal à ses propres fidèles. Donc les fidèles doivent toujours vivre en communion, en union. Et vous savez que quand la messe, la liturgie orthodoxe commence, cela commence par une préparation des dons qui seront offerts à Dieu. Le prêtre va prendre sur la patène les noms des fidèles. Il va placer sur la patène le nom de ses fidèles. Souviens-toi, Seigneur, de monsieur, d'un tel, souviens-toi d'un tel, souviens-toi d'un tel. Les personnes décédées. Les personnes vivantes comme défuntes. D'accord. Vivantes comme défuntes. Mais sur la patène, le prêtre n'a pas le droit de placer sur une patène deux personnes qui ne s'entendent pas. C'est pourquoi je disais que nous, dans les églises orthodoxes, nous sommes des petites communautés. Donc, on se connaît tout le monde. Si j'ai 20 fidèles, je ne peux pas placer deux fidèles qui se sont disputés sur la même patène. Et je dois leur demander de se réconcilier. Sinon, ils ne peuvent pas communier. C'est ce qui s'est passé dans ma paroisse. Nous sommes des hommes. Dans ma paroisse, il arrive que parfois, les fidèles entre eux se disputent un petit peu. C'est humain. Même au temps de Jésus, les apôtres se disputaient. Qui est le plus grand? Qui Jésus aime le plus? Ah, le Père menace, aime peut-être telle ou telle personne mieux que nous, alors que j'aime tous mes fidèles. Donc, ils peuvent avoir des petites disputes. Et à la fin, je leur ai dit, écoutez, puisque vous disputez comme des enfants, je ne vous donne pas la communion. Vous avez 2 semaines, vous ne pouvez pas communier. Et je ne vous mettrai pas sur la patène tant que vous ne faites pas de correction fraternelle. Donc, dans l'Église, c'est ça. Parce que pourquoi? Vous savez que l'eau du baptême est plus forte, plus puissante que le sang de la famille. Donc, quand on a été baptisé dans le Christ, nous sommes devenus frères et sœurs. Le même sang du Christ qui coule dans mes veines, c'est le même sang qui coule du Christ qui coule dans les veines de l'autre frère. Donc je dois l'accepter et l'aimer. Ça serait une hypocrisie de pouvoir dire j'aime le Seigneur et je n'aime pas mon frère, ma sœur. Ça serait vraiment de l'hypocrisie. Et nous dans l'Église orthodoxe, on veut que les fidèles s'aiment. C'est pourquoi on a des moments d'agape. Nous avons des moments de convivialité. Nous avons des moments d'intercession fraternelle. C'est pourquoi est-ce que nous formons vraiment une fraternité. Nous sommes vraiment une Église fraternelle. Nous ne sommes pas une Église d'ennemis. On ne peut pas accepter des personnes ennemies pouvoir monter à la table eucharistique. Donc c'est l'une des conditions spirituelles de la communion aussi. Mais ça vous donne un sacré travail avant de commencer votre messe là. Savoir qui est fâché avec qui. Il y a peut-être aussi des gens qui viennent vous dévoiler des choses sur quelqu'un d'autre qui n'aime pas dans l'église. Ça... Parfois oui, il y a des gens qui viennent mentir aussi. Mais un tel oui, a fait mais ceci, oui. un tel... Mais c'est à moi de discerner, de mener des enquêtes, de discerner, de poser les questions, de confronter. Et je ne suis pas le juge de mes fidèles ni le policier de mes fidèles. Je suis leur avocat devant Dieu. Donc je ne peux pas les juger, les condamner, même quand il y a eu des péchés graves, je ne suis pas le juge de mes fidèles. Mais j'essaie de toujours trouver la meilleure thérapie pour garder l'unité de mon troupeau. Ça aussi, c'est un combat. Mon combat, il est ad extra, c'est-à-dire qu'il est aussi extérieur par rapport aux gens de l'extérieur qui parlent mal de moi. Dernièrement, vous m'avez posé la question, quelles sont les difficultés? Il y a des difficultés ad extra, les gens qui sont extérieurs à ma communauté, qui m'insultent sur les réseaux sociaux, qui disent que je suis un manipulateur, je suis un menteur. Mais il y a aussi des combats ad intra,
à l'intérieur même de ma propre communauté, il peut y avoir des fissures. Et donc, j'ai un véritable combat pour pouvoir préserver l'unité de mes fidèles. Ce n'est pas chose facile. Parce que nous, Antillais, je pense que nous sommes très orgueilleux, très susceptibles. Mm-hmm. Et je pense que c'est quand même difficile pour eux, des fois, de se réconcilier, même si c'est leur père qui leur demande, le prêtre qui leur demande. Je crois qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Ah ouais? Oui. L'esprit antillais a été sanctifié par la grâce de l'Esprit Saint, même si la grâce n'enlève rien à la nature. Oui. Mais je remarque de plus en plus beaucoup de gestes fraternels. Nous avons un groupe sur WhatsApp qu'on appelle Fidèles Orthodoxes. Chaque matin, chacun dit bonjour à l'autre. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Bonne journée. Tout le monde s'embrasse. Tout le monde fait des bisous. Et quand on arrive à l'église, tout le monde s'embrasse. Tout le monde fait des bisous. Donc je pense que oui, ça commence vraiment à bien marcher. Dans les murs. Oui. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'il y a un rapport entre le jeûne et la communion eucharistique? Bon, au début de l'Église, non, il n'y en avait pas. Mais à partir du IVe siècle, quand on a un peu exclu les agapes, on veut que celui qui communie puisse jeûner. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, on ne communie pas si on a mangé de la viande. Mm-hmm. Donc, par exemple, si la messe a lieu le dimanche matin, la veille au soir, à partir de samedi, on ne peut pas prendre un repas où il y a de la viande. On peut prendre un repas léger, mais il ne doit pas y avoir de viande. On ne peut pas prendre les dérivés de la viande. Donc, tout ce qui est saucisson, mm-hmm. même le lait, les produits laitiers, on n'en prend pas. Il n'y a pas d'huile dans la nourriture. On ne met pas d'huile dans la nourriture. Donc, on essaye de prendre un repas frugal. Donc, quand on veut communier. Et le matin, quand on se lève, normalement, on ne prend pas de café aussi. Donc, on doit garder, on est abstinent. Mais ce jeûne n'est pas seulement le jeûne alimentaire, il y a aussi le jeûne sexuel. Donc, avant la communion, on ne peut pas commettre un acte sexuel. Et même si on est marié à l'église, pourtant, cet acte n'est pas un péché puisqu'ils sont mariés. Mais on fait une privation sexuelle. Donc, on n'a pas le droit ni de manger, ni d'avoir un acte sexuel 8 heures avant la communion. D'accord, quel que soit le jeûne. Enfin, bon, quel que soit le jeûne spirituel, je veux dire. Oui, c'est quelqu'un ça. Qui fait un jeûne parce qu'il a besoin de maigrir. D'accord. Lors d'une émission ici, vous avez parlé des prières de préparation à la communion. Parlez-nous de ces prières, s'il vous plaît. Oui, une fois, je pense que notre sœur Manuela nous les avait montrées. C'est un livre orange. Voilà, il est là. Divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, office de préparation à la Sainte Communion. Ce sont les prières. Je sais que vous avez quand même, vous devez garder les secrets, mais est-ce que Manuela est déjà venue dans votre église? Non, jamais. Je l'invite officiellement aujourd'hui. Et même vous aussi, d'ailleurs, je vous invite officiellement à venir participer à la liturgie. Même vous aussi, si vous voulez bien. Mais on va faire du covoiturage, vous venez. Vous allez faire du covoiturage. Très bien. Alors, je disais que dans l'Église orthodoxe, il y a cet office de préparation à la Sainte Communion. Mmh. Il est divisé en deux parties. La première partie, le fidèle orthodoxe le dit le soir. Donc, s'il sait qu'il va communier demain à la messe, lors des prières décomplies, il va rajouter encore avec ses prières, il y a un canon de prières de préparation à la communion. Cette prière pourra lui prendre le soir, visiblement 40 minutes. Et le matin, en se levant, il va faire la prière initiale, il va dire 9 prières qui sont contenues dans ce livre avant de communier. D'accord. Et pendant la messe, il y aura la 10e prière qui sera dite pendant la messe, la prière de Saint Jean Chrysostome, qui dit par exemple comment oserais-je entrer dans la chambre nuptiale alors que ma tenue est un défaut, me fait défaut. Je ne te donnerai pas le baiser de Judas, je ne te trahirai pas. Et donc c'est au cours de cette prière. Après la prière de préparation à la communion, quand le fidèle va communier, en rentrant à la maison, il y aura encore 5 prières à dire. Et donc il y a des prières avant, pendant et après. Et ces prières demandent beaucoup de grâces. Parmi les grâces que nous demandons, c'est que la communion nous apporte la guérison physique, la protection, l'illumination de notre âme, la guérison de notre âme. J'ai connu une fille à Paris qui était attaquée par le démon. Elle avait des choses qui le circulaient dans tout le corps. Elle est allée voir un prêtre catholique qui lui a demandé de prier et de se confesser et de venir souvent à la messe et de communier. La fille avait fait cela, mais elle n'avait pas vraiment un grand changement. Et je lui ai dit, je vais rajouter quelque chose à ce que le prêtre a demandé. Le prêtre, ce qu'il t'a dit, c'est bon. Mais il ne suffit pas de communier pour obtenir la grâce. Il faut bien se préparer à communier. Je lui ai remis ces prières-là en lui disant, vous ferez ces prières pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, vous allez communier. Lorsqu'elle a commencé à faire ses prières, toutes les choses qui circulaient dans son corps ne circulaient plus et s'en sorties par voie fécale. Donc elle n'avait plus jamais eu des attaques. Et même tous mes chrétiens orthodoxes le savent, ceux que j'ai formés, savent qu'en faisant ces prières, on ne peut pas être attaqué par le démon. Parce qu'il y a des personnes, plutôt je voulais dire que la communion eucharistique apporte une grande libération. En matière d'exorcisme,
On demande les personnes qui reçoivent l'exorcisme de communier régulièrement. Mais comment vont-elles communier ces personnes-là? Eh bien, en utilisant ce genre de prière. C'est pourquoi nous, dans l'Église orthodoxe, nous donnons ces prières aux fidèles pour pouvoir se préparer à la communion. Et tous mes fidèles donnent des grands témoignages. Il n'y a pas un aspect magique, c'est l'aspect spirituel de préparation à la communion. Alors, ce livre, je vous ai demandé la dernière fois si on pouvait trouver ça, où on pouvait trouver ce livre. Vous avez expliqué dans votre paroisse, certes, mais avant ça, il y a une préparation à ces prières. C'est quand même vous. Il y a une façon de prier. Je veux dire quelque chose ici, ça va. J'espère que ce n'est pas. Non, ce n'est pas pour faire des divisions. C'est que normalement, les prières orthodoxes sont réservées aux orthodoxes. D'accord. Je connais même un prêtre qui m'avait fait une fois une remarque, pourquoi tu donnes les prières orthodoxes à des non-orthodoxes, normalement. Mais puisque l'Église, c'est l'Église du Seigneur, l'Église veut rassembler tous les hommes, moi, par économie, j'accepte que n'importe qui peut prendre ses prières, aller faire les prières. Mais ce que je leur demande, c'est d'abord de les apprendre en paroisse. Parce que les prières orthodoxes sont très techniques. Donc, si vous prenez le livre en lui-même, vous lisez comme ça, vous n'allez pas comprendre. Il faut avoir reçu une formation de base pour pouvoir comprendre ce genre de prière. Cette formation peut durer combien de temps en venant à votre église? Si je mets une personne à côté, un parrain qui forme la personne, en 5 jours, la personne peut apprendre. Et après, faire au moins 1 mois en paroisse pour venir régulièrement faire ses prières, une fois qu'on les a assimilées. Et la personne elle-même à la maison peut commencer à les faire. Donc les gens peuvent venir dans votre paroisse au-delà du samedi, puisque c'est le samedi qu'il y a la messe. Oui. En semaine, enfin, je ne sais pas. En semaine, il y a des offices. C'est une paroisse. Le samedi, pour nous, pour l'instant, c'est comme notre dimanche. Parce que, comme je vous ai dit, pour l'instant, on n'a pas de liturgie le dimanche. Pourquoi on ne taxe pas de choses bizarres, puisque on me dit déjà sur Internet que de faire attention de ne pas me rendre complice. Je ne sais pas de quoi, mais bon. Mm-hmm. Quand vous dites que la messe, c'est le samedi, ce n'est pas parce que vous êtes comme les Adventistes. Les Adventistes, hein, ce n'est pas non, ça. Non. C'est pour des raisons de location. Comme voilà. Nous louons un lieu pour permettre à la famille de pouvoir garder leur intimité du dimanche. Donc nous disons une liturgie anticipée. Mais le jour sinon, la messe, c'est le dimanche. Normalement, c'est le dimanche. D'accord. Donc en semaine, il y a des offices, il y a des prières du matin à 8h, il y a des prières du soir à 17h. Et puis ici, nous sommes sur une émission où l'on développe des idées spirituelles. Donc oui. S'il y a des personnes dehors qui nous insultent, qui disent « Monsieur Granier, vous vous rendez coupable d'un charlatan », que la personne, je vous ai toujours invité sur le plateau. Nous sommes sur des débats objectifs. Les personnes qui font ça, ce sont des gens qui tuent l'autre en tournant. C'est-à-dire la personne a tourné dos et vous tirez sur elle. Ouais, qu'elle vienne m'affronter frontalement ici. Cependant, le Seigneur lui a peut-être tourné la langue puisqu'il a dit « Monsieur Grenier ». Oui, donc il a dit « Monsieur peut-être Grenier ». Peut-être qu'il ne parlait pas de moi. Donc alors, pouvez-vous nous résumer, mon père, les conditions de la communion eucharistique dans l'Église orthodoxe? Alors, donc, on va faire maintenant le résumé de tout ce qui a été dit. Nous avons dit qu'il y a la première condition pour communier, c'est la condition dogmatique. Il est nécessaire d'être membre de l'Église orthodoxe pour pouvoir aller communier, professer la même foi qu'elle, pour pouvoir communier. C'est la condition du dogme. Il y a la condition canonique. Il faut avoir reçu l'autorisation du prêtre pour communier. On ne se lève pas automatiquement pour aller communier. C'est la condition canonique. Il y a la condition spirituelle. Le fidèle qui s'approche de la communion doit être pénétré de sa propre indignité et avoir confiance en la miséricorde de Dieu. C'est la condition spirituelle. Donc la condition de la prière. Il y a la condition morale. Il est des péchés qui ferment l'accès au royaume des cieux. Et donc il faudrait avoir fait sa confession et sa pénitence pour pouvoir communier. Il y a la condition évangélique. Il faut s'être réconcilié avec son frère pour pouvoir communier. Il y a la condition ascétique. Il faut jeûner, se priver des rapports sexuels avant la communion. Et septièmement, il y a la condition de piété. Il faut avoir fait son canon de prière, les prières de préparation à la communion. Lorsque ces 7 conditions sont réunies, le fidèle orthodoxe peut communier. Alors, avant de passer à la prochaine question, j'ai envie de vous demander, mon père, quelqu'un qui n'a pas communié, quelqu'un qui a fait des péchés, quelqu'un qui s'est mal comporté dans la vie et qui arrive sur ses derniers instants, est-ce qu'il a encore le temps d'essayer de se réhabiliter aux yeux du Seigneur pour espérer accéder au paradis ou c'est fini pour lui? Sa vie a été trop mauvaise, il n'a plus accès au paradis. Non, il ne faut jamais juger un pécheur jusqu'au bout. Le Christ a bien ouvert la porte au bon larron. C'est au dernier moment qu'il a confessé la Seigneurie, « Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. » Dans un cas comme celui-là, il arrive que même la personne ait perdu conscience. Dans un cas comme celui-là, moi, en tant que prêtre, je suis là pour sauver les âmes. Et pour le salut des âmes, on va jusqu'au bout. Le reste, c'est Dieu qui juge. Je lui donnerai l'absolution.
je lui donnerai l'absolution. J'ai connu une dame dernièrement qui était dans le coma, qui était en train de mourir. Elle était là, elle n'avait plus de conscience, je ne pouvais pas la confesser. Je suis venu à l'hôpital, j'ai fait une prière, je lui ai donné l'absolution. Et quelques jours après, elle est morte. Et le jour, au moment où elle mourait, on disait que son visage était devenu paisible, comme si elle voyait quelque chose. Donc le pardon du Seigneur lui a été accordé. Dieu veut sauver tous les hommes. C'est nous les hommes qui aimons enfermer les gens dans leurs péchés. Dieu ne condamne jamais le pécheur, il condamne le péché. Donc une personne comme ça, jusqu'au dernier moment, peut être sauvée. Bien. À la fin de cette émission, nous allons suivre un programme de prière que vous organisez à la fin de ce mois. C'est quoi cet office de couronnement de l'année? C'est une tradition de l'Église orthodoxe. Quand on commence une nouvelle année, il y a la couronne de l'année. Ça vient du psaume, tu couronnes le cycle de l'année. Donc les fidèles orthodoxes font une prière comme si on va confier toute l'année au Seigneur. Et moi, je leur donne souvent des couronnes de 12 bougies qui symbolisent les 12 mois. Et j'ai l'habitude de dire aux fidèles d'écrire sur un papier 3 intentions de prière. Et c'est bizarre. Je suis pas, l'Église orthodoxe ne professe pas la magie. Moi, je suis comme je vous disais, que je ne cours pas derrière les miracles, mais je crois au Dieu qui fait des miracles. Chaque fois que j'ai demandé aux fidèles d'écrire 3 intentions, je leur dis toujours, à la fin de l'année, parmi les 3 choses que vous allez écrire, une va se réaliser. Ou les 2, ou les 3. C'est comme des vœux qu'on fait pour l'année. Mmh. Et après, on brûle ces 12 bougies dans la maison. Et tous les fidèles, à la fin de l'année, font un bilan. Et là, j'ai commencé à recevoir les bilans. Beaucoup de fidèles m'écrivent. Ah, l'année passée, quand on avait fait le couronnement de l'année, j'avais demandé 3 choses, j'en ai eu obtenu 2. Il y a un qui m'a écrit dernièrement, j'ai obtenu les 3. Moi, par exemple, j'avais demandé 3 grâces. Et j'en ai obtenu 2. J'avais demandé 3 grâces à mon compte, j'en ai obtenu 2. Donc l'année prochaine, je vais écrire comme grâce construction de l'église. Et vous allez voir si je vais obtenir cette grâce. Donc ça serait le 31 décembre, le samedi prochain, nous allons avoir cette prière là au Lamentin. On fera d'abord des prières pour la Martinique. On va confier toute la Martinique au Seigneur pour l'année 2023. Et ensuite, on fera l'office du couronnement et chaque fidèle approchera pour recevoir ses 12 bougies. Mais à quel moment on écrit ces demandes au Seigneur? Vous pouvez les écrire avant de venir à l'office, ces 3 demandes. Et puis, vous venez avec votre feuille, vous avez ça à la main. Pendant l'office du couronnement, la personne là, tient son office et prie, demande au Seigneur de bénir. Et les bougies seront allumées devant son papier à la maison. Et il va prendre son papier et le garder dans sa Bible. Et l'année prochaine, en décembre 2023, il va ouvrir, il va regarder parmi les 3 choses qu'il avait écrites. Quelles sont les choses que Dieu, pour lesquelles Dieu l'a exaucé. Donc là, vous remettez les 12 bougies. Le 31 décembre. Le 31 décembre de cette année. Oui. Et les gens vont allumer une bougie par mois, par c'est jour. Ça? Par jour. Par jour. Donc tous les 12 premiers jours du mois de janvier, le 1er janvier, le 2 janvier jusqu'au 12, chaque jour, ils viendront allumer leur petite bougie et prier, se rappeler un peu que la lui a été présentée au Seigneur. Ce n'est pas un acte magique. C'est un acte de miséricorde. Il viendra à votre église allumer la bougie? Non. Il va l'allumer chez lui? Non. Il viendra à l'église pour participer à l'office et après l'office, on va remettre 12 bougies à chaque fidèle. Il y aura une petite participation parce que les bougies ont été achetées. Évidemment. Voilà, donc une petite participation. Ils vont prendre leur collier, leur couronne. C'est ce qu'on dit office du couronnement. C'est la couronne des 12 bougies. D'accord. Ils vont chez eux, ils mettent leur intention sur la table et chaque jour, ils allument une bougie le 1er janvier, une bougie le 2e, jusqu'au 12. Et d'accord, c'est fini. Est-ce que c'est parce que vous êtes africain que les gens pensent que c'est de la magie? Non. Peut-être que les Africains ont une très mauvaise réputation sur l'île, je ne sais pas, mais il ne faut pas diaboliser tout le monde. On dit que tous les Antillais, certains disent que les Antillais ne sont pas fidèles. Est-ce qu'il faudrait diaboliser tous les Antillais? Monsieur Granet, est-ce que vous n'êtes pas fidèle? Donc ça ne veut pas dire parce que les Africains font ceci, ils aiment la magie, que tous les Africains sont comme cela. Moi, je suis le Père Ménas, je suis prêtre orthodoxe et je suis le Christ, c'est-à-dire j'agis en la personne de Jésus-Christ. Et je ne veux pas qu'on me juge selon mes origines, mais qu'on me juge selon le ministère que j'ai reçu. Ouais. Je suis avant tout un prêtre. Et un prêtre, il est universel, il n'est pas qu'africain. Ça fait combien de temps que vous êtes à la Martinique? Ça va me faire, je dirais, 3 ans. 3 ans déjà? Oui, 3 ans. Mais au début, quand je suis arrivé, je n'avais pas d'ordre de mission. Donc, pendant 2 ans, je travaillais dans le cadre d'une association. Et j'avais dit aux gens, arrêtez de parler mal de moi parce que je suis en attente de l'imposition des mains de mon évêque qui va me redonner tout pouvoir de prêtre pour pouvoir exercer. Et je suis revenu maintenant avec tous les pouvoirs de prêtre que me confère Monseigneur Jean Doubna depuis le mois de mai 2022. Et est-ce que vous sentez la différence maintenant? Est-ce que vous voyez que maintenant vous êtes accueilli comme un frère martiniquais? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même beaucoup le regard. J'avais un regard hostile, j'avais même des groupes catholiques ici qui me menaient la guerre. Mais aujourd'hui, ces mêmes groupes catholiques sont en train de mettre sur les réseaux sociaux nos émissions de la Vierge Marie, partout. Et même dans le monde entier, beaucoup de sites catholiques mettent maintenant mes émissions. C'est pourquoi je disais à mes frères catholiques, je connais ma vie, je n'ai pas menti.
je sais ce que je suis en train d'attendre. Attendez, ne dites pas les choses aux gens, parce que les gens racontaient sur les réseaux sociaux beaucoup de bêtises sur moi. Mais aujourd'hui, le regard a changé. D'ailleurs, bientôt, notre évêque viendra en Martinique. Et ça serait une grande joie, une réconciliation avec tous les frères. Nous allons avoir une... C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, bientôt, je ne sais pas, je ne peux pas encore donner la date. Oui. Donc, vous voyez que les choses ont énormément bien évolué, positivement, oui. Et j'en suis content. Et au début, vous avez même dû faire du judo pour vous défendre, parce que quelqu'un voulait s'attaquer physiquement à vous. Dans ma jeunesse, j'ai pratiqué les arts martiaux. Pendant plus de 18 ans, j'ai pratiqué les arts martiaux. J'ai été professeur de arts martiaux dans la gendarmerie. Et depuis que je suis devenu orthodoxe, j'ai arrêté. Mon père spirituel ne veut plus que je porte un kimono. Mais dernièrement, avec ma soutane, un monsieur m'a agressé dans une station essence. Je ne sais pas pourquoi. Il est venu, ils étaient deux personnes, ils m'ont agressé. Mais vous savez, tous les saints ne sont pas pareils. Saint Jean Bosco, on dit qu'il se défendait quand on l'a agressé. Il est bien devenu saint. Je connais des saints, vous allez le gifler à la joue gauche, il va vous tendre la joue droite. Mais moi, le père menace, ça dépend des jours. Ce jour-là, je me suis défendu, j'ai immobilisé ces deux personnes. Je peux encore avoir une minute pour vous expliquer une petite histoire. C'est une disgrâce. Il y avait un prêtre qui prêchait que quand on gifle à la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Alors un jeune a dit, ah mon père, si je vous gifle la joue gauche, vous allez tendre la joue droite. Le prêtre a dit, mais oui. Et le garçon a giflé le prêtre à la joue gauche. Et le prêtre a tendu la joue droite. Le garçon a encore giflé le prêtre à la joue droite. Et à la fin, le prêtre lui a dit, tu sais mon enfant, dans l'évangile, Jésus n'a pas dit après qu'il faut rentrer à la maison. Il y a un silence, il dit de tendre la joue droite, mais après je fais quoi? Puisqu'il n'a pas dit l'après, il a pris le garçon et l'a frappé. Il ne faut pas lire la Bible littéralement. C'est ce que je dis à mes frères protestants, la Bible en elle-même ne suffit pas. Oui, le père menace, moi je me suis défendu ce jour-là. Et la légitime défense n'est pas un péché. Très bien, ça intéresse. Alors dites-moi mon père, pour nous sommes en période de Noël, fin de l'année. Est-ce qu'il y a des messes particulières pour la Noël? Est-ce que les gens peuvent venir chez vous? Alors, aujourd'hui, nous sommes déjà le 25. Eh oui. Donc, il y a eu la messe hier soir, le samedi 24, nous avons eu la gripnie. Nous avons fait la prière toute la nuit. D'accord. Et aujourd'hui, dimanche 25, bon, c'est déjà fini. Maintenant, dimanche prochain. Nous n'aurons pas de messe de soir, parce que normalement, nous, les agrippinies se font en relation d'une grande fête. Donc, le 31 décembre, dans l'église orthodoxe, on ne peut pas avoir de veillée de prière. C'est vrai que le lendemain, c'est la Saint-Basile. À moins que vous voulez célébrer la Saint-Basile. Mais on ne va pas faire le réveillon pour le 1er janvier. Le 1er janvier, ce n'est pas un saint. C'est le calendrier qui tourne. En vertu de quoi? Je vais faire une prière de toute la nuit. Nous, on fait les prières de toute la nuit quand il s'agit d'un mystère. Le 1er janvier, pour nous, ce n'est pas un mystère. C'est un jour ordinaire. C'était un moment de rendre grâce à Dieu. On le fera le 31 décembre. La prière sera l'après-midi et chaque personne ira dans son coin familial fêter son 31 décembre la nuit. S'il veut aller prier encore, il n'y a pas de souci, je ne l'interdirai pas. Chacun organisera son 31 décembre soir. Mais l'après-midi, nous serons à l'église pour l'office du couronnement. Nous vivons à la Martinique des moments difficiles de violence, d'armes à feu, d'armes à couteau, des enfants qui frappent des professeurs à l'école. La Martinique est en train de prendre un chemin assez particulier vers la violence. J'espère que toutes ces prières vont permettre aux Martiniquais de vivre fraternellement pour cette année à venir et que votre église sera remplie, que vous aurez les dons que vous souhaitez pour construire une église orthodoxe. Parce que dans les différentes émissions que nous avons eu à faire ensemble, je crois qu'on a mieux compris ce que c'est qu'un prêtre orthodoxe, comment vivre ce rapport avec son prêtre. Donc, en tout cas, mon père, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, à la semaine prochaine. Même heure, même antenne. Merci beaucoup. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup aussi à Manuela. Bonjour, mon ami. La paroisse orthodoxe Notre-Dame de l'Action Estine vous invite ce samedi 31 décembre de 14h à 18h au 1442 Bois Carré, Lamantin. Nous allons achever cette année par une prière d'intercession pour la Martinique et les îles voisines. Nous aurons trois offices liturgiques. Au cours du premier, nous allons prier pour que le Seigneur nous épargne des intempéries, des cyclones et des tsunamis lors de l'année 2023. Dans le second office, nous demanderons au Seigneur de nous préserver des tremblements de terre les plus violents. Dans le troisième office, nous demanderons au Seigneur de nous préserver des épidémies. Les trois offices sont contenus dans ce manuel de prière que vous pouvez vous procurer à l'entrée de l'église. Après les trois offices d'intercession, sera célébrée une divine liturgie, c'est-à-dire la messe, pour rendre grâce au Seigneur des bienfaits connus
et inconnu qu'il a répandu sur nous lors de l'année 2022. Nous demanderons aussi pardon au Seigneur pour tous nos péchés et faiblesses. La liturgie s'achèvera avec l'office du couronnement de l'année, où chacun de vous recevra 12 bougies bénies qui seront allumées dans votre maison durant les 12 premiers jours de l'année, selon cette parole biblique, « Tu couronnes le cycle de l'année ». Que le Seigneur t'accorde durant toute cette année 2023 des grâces de bénédiction, de santé, de prospérité, que le vin, l'huile et le froment surabondent dans votre maison. Bonne année.